applaudissements pour les deux équipes et messieurs les arbitres, s'il vous plaît. Bienvenue sur le parquet. Bienvenue à l'équipe d'Italie, bienvenue à l'équipe d'Iran. Voilà, composition des équipes. En ce qui concerne l'Iran, numéro 1, Yasser Rostami Nejad. Numéro 5, Hamid Reza Saleh Nasrabadi. Numéro 6, Mostafa Bavafa Karagagi. Numéro 7, Ali Asghar Hossein Sadeh Parkou. Numéro 8, Mehdi Moli Yari. Numéro 9, Ahmed Adadianpour. Numéro 10, Mohamed Reza Tashka. Numéro 11, Mostafa Farozzi. Numéro 14, Mohsen Bidar. 15, Reza Mohamadian. Numéro 20, Mohsen Belati Hamidabad. Numéro 22, Ali Maktoum. Composition de l'équipe d'Italie, le numéro 1, Giovanni Troise. Numéro 2, Aldo Germana. Numéro 3, Ivan Golino. 4, Leopoldo Manco. 5, Ciro Fusco. 6, Vincenzo Pugliares. Numéro 7, Mario Brincone. Numéro 8, Umberto Troise. 9, Vincenzo Rocco. Numéro 10, Luigi Esposito et capitaine. Numéro 11, Michele Pugliese. Numéro 12, Giovanni Cassano. Entraîneur Enrico Zazzaro, entraîneur de l'équipe d'Iran et coach Soltan Manesh Sahamadine et Mohamadian Mohamad Medaï. Voilà, tout de suite, merci monsieur, madame, mademoiselle de bien vouloir vous lever car nous allons écouter l'hymne de l'Iran. Bravo messieurs, bravo à vous. Et maintenant, l'hymne de l'Italie.
Merci messieurs, bravo à vous. Les arbitres de la rencontre, Jackie Suboz et Damien Jarutchevich, ici même à la table de marque et quatrième arbitre. Donc nous avons Gabor Cormos et Gustavo Souza. Voilà, alors ça va être un choc, ça va être un gros choc entre ces Italiens qui certainement... alors nous, quand on vous parle, on ne connaît absolument pas le classement ni des uns ni des autres. On ne sait pas exactement ce qui se passe, quelle est leur situation. Bref, en tout cas, pour tous les Italiens comme pour les Iraniens, eux, doivent défendre leur titre de champion du monde. Et puis, les Italiens, on connaît les Italiens et leur passion pour le football. Voilà, et on espère que le capitaine, on demande le capitaine iranien. Le capitaine iranien. Voilà, le temps de chercher les deux arbitres. Alors, on va vous donner la composition. Alors, les Italiens, pour l'entrée de jeu, il y a le numéro 8, Umberto Troisé. Le gardien, c'est le numéro number, I can't see because il est... C'est le numéro 1, c'est Giovanni Troisé. Alors, nous avons deux frères. Nous avons Umberto Troisé et Giovanni Troisé. Voilà. Donc, nous avons les deux frères qui jouent ensemble. Super. Et puis, après, le numéro 10, qui est Monsieur Luigi Esposito. Il m'en manque encore. Et puis, messieurs, j'espère que vous êtes nombreux à suivre cette rencontre. Les champions du monde en piste, voilà, qui défendent leur titre. Alors, à mon avis, ils ont dû gagner leur match, les Iraniens, parce qu'on les sent sereins, très sereins. Voilà, alors il y a le numéro 7 du côté, il y a Ali Asghar. Le numéro 20, Mohsen Doulati Hamidabad. Le numéro 1, le gardien de cette sélection iranienne, Yasser Rostanejad. Le numéro, après il y en a deux qui me tournent le dos, les gredins. Le numéro 10, Mohamad Reza Tashka. Et puis le numéro 8, voilà, je l'ai, Madi Molayari. Super. Du côté de l'Italie, le 7, donc on l'a déjà. Voilà, il nous manquait le Mario Tricone. Le numéro 9, Vincenzo Rocco. Le numéro 10, notre ami Luigi Esposito. Le number 1, le gardien de cette équipe italienne, Giovanni Troisé. Et il m'en manque un. Remise en jeu faite par les Iraniens. L'ambiance est chaude, chaude, chaude. Vous les entendez supporter. C'est le bon iranien. Voilà, et c'est parti pour 20 minutes. Premier tir déjà, histoire de se mettre en... Alors, il m'en manque un. Voilà. C'est parti, remise en jeu. Allez, par Tashka. Tashka pour Hossein. Hossein, shoot. Ah, ça shoot de loin, les Iraniens. Peut-être qu'ils veulent se chauffer. Il me manquait le numéro 8 du côté... italien. C'est notre ami Umberto Troisé. Alors, les deux équipes sont certainement en train de se jauger. Voilà, on se jauge. Voilà, on va avancer comme ceci. Voilà, shoot, hop, tir, trop croisé, par notre ami, comment, Doulati Hamidabad. On shoot, on n'hésite pas à shooter de très loin, pratiquement de 30 mètres. Le numéro 10, c'est notre ami Esposito, le numéro 10, c'est Tashka. Merci. Oui, merci. Alors, là, les deux équipes se jaugent. Il y a déjà... Alors, on va vous mettre le score. Tenez, parce qu'on ne paiera pas plus cher. Le score, on va vous le monter pour ne pas être gêné. Bah.
Alors ça va très vite, hein. Les Iraniens ont déjà marqué 2 buts. Ils se font siffler par la colonie italienne. Mauvaise. Allez, les Italiens, il ne faut pas se laisser abattre. C'est des choses qui arrivent. Hein. 2-0, vous avez le score. Les Iraniens jouent en rouge et les Italiens en bleu, toujours un peu dans, comme la Squadra Azzurra. Doulatic. Hossan, dribble. 3-0. Je ne sais pas ce qui se passe du côté des Italiens. Soit ils font de la figuration, mais alors là, je ne comprends pas parce qu'ils se sont tous arrêtés de jouer. Allez, remise en jeu. Esposito, toujours. C'est le capitaine, le numéro 8. Troisé. Alors, j'ai du mal à comprendre le jeu des Italiens parce qu'il reste toujours un peu, comment ça s'appelle ? Voilà, ils sont statiques, les Italiens. Alors là, j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est quoi ? C'est une stratégie ? Est-ce qu'ils calculent ? Est-ce que les Italiens sont déjà qualifiés ? Et peut-être que pour empêcher une équipe d'aller en phase finale. Voilà, il reste statique. Les Italiens restent statiques. Alors là, il va falloir qu'on m'explique. Voilà. Il y a comme une espèce de non-jeu de la part des Italiens. Alors là, c'est surréaliste. Je ne comprends pas. Les Italiens font du surplace. On ne comprend pas. Allez, pour notre ami Rocco Vincenzo. Voilà, il recule. Et voilà, il met derrière. Et il shoot en avant. Eh bien, mes amis, je pense qu'on va assister à un match... truqué, puisque les Italiens font du surplace, ils ne bougent absolument pas. Voilà, ils font semblant un peu de bouger. Ils font courir les Iraniens. Voilà, on a l'impression que les Italiens, voilà. Ils jouent n'importe... Enfin, c'est certainement une stratégie, hein. Voilà, les Iraniens jouent, voilà. Regardez, il n'y a pas de dribble, il n'y a rien. Nous avons reçu des consignes. Comme les Italiens ne jouent pas du tout le jeu, nous on ne peut pas diffuser, on arrête. Hein, voilà, donc on va arrêter la diffusion. On a beaucoup de mal à comprendre le comportement des Italiens parce que ça fait depuis 15 minutes qu'ils ne jouent pas. Ils restent sur place. Alors au début, moi, je pensais que c'était une tactique parce qu'ils étaient qualifiés, etc. En fait, pas du tout.
Il a eu un problème avec des joueurs. Ils ont accusé les Iraniens de ne pas jouer avec leurs meilleurs joueurs lors de la rencontre contre les Hongrois. Mais en même temps, les Italiens avaient déjà joué contre les Hongrois et ils avaient perdu. Enfin, si c'est bien ce que j'ai compris. Hein. Et donc, de toutes les façons, les Iraniens devaient impérativement gagner les Hongrois pour gagner. Voilà. Alors j'espère que les infos que je vous donne sont claires, parce que nous, on vous dit, nous sommes arrivés à 14h et on a pris le futsal en cours. Donc on ne connaissait absolument pas la classification des joueurs, la poule, ce qu'ils devaient faire ou pas faire. Mais en tout cas, là, on le constate, voilà, il n'y a aucune participation active des joueurs, ni du gardien, ni du coach, et ni encore moins des joueurs. Voilà, donc c'est une première. Lamentable. Voilà. Voilà. Alors filme aussi là-bas, Christophe, le coach là-haut là. Le coach italien avec l'iPad. Tu vois là où il y a les deux drapeaux. Là, tu vois, là, ils sont à gauche, ils sont à droite. Tourne encore un peu sur ta droite. Tu les vois là les deux là. Voilà. Les deux, ouais. Damn.